jungle est mon pays. J'ai eu 8 ans d'enfant, une louve comme maman. C'est moi Mowgli, dans les arbres j'ai grandi. Entrez dans mon histoire, ouvrez le livre de ma vie. Je vais vous présenter tous mes amis. Du haut de ma montagne, c'est moi qui suis le roi. Aimez le surveille, car le serpent. Et puis voici Balou, l'ours grillon, Groubidou. Et voici Shere Khan, le tigre aux longues, longues dents. C'est moi Mowgli, je vais vous conter ma vie. Venez rire avec moi et avoir peur quelquefois. Tout commence aujourd'hui, vous les grands et les petits. Entrez dans l'aventure avec Mowgli. Entrez dans l'aventure avec Mowgli. Un troupeau de daims qui se dirige par ici. Vous entendez? Préparez-vous à chasser. T'as entendu? Bah évidemment. Bah il faut qu'on prévienne les autres, non? Bon, alors le premier groupe attendra à l'entrée de la forêt. Quand les proies arriveront, vous les laisserez passer, puis vous leur couperez toute retraite. Vous avez compris? Vous les laissez d'abord passer. Surtout, vous ne les attaquez pas. C'est le deuxième groupe qui se chargera d'attaquer le troupeau de daims, en se portant simplement à sa rencontre. Il faudra vous arranger pour encercler vos proies, par un mouvement tournant. N'oubliez pas, il faut que vous soyez toujours à 2 contre 1. Mowgli, c'est toi qui dirigeras ce groupe. Attention, il ne faut pas qu'ils s'échappent. La chasse a été bonne. Nous n'allons pas mourir de faim. Oui, et c'est surtout grâce à toi, Merlouve. Mais non, ce n'est pas vrai. C'est surtout grâce à vous et à votre courage. Est-ce que je me suis montrée digne de toi, Kéla? Tu plaisantes. Jamais je n'aurais été aussi efficace. Très bonne tactique. Si ton mari était encore de ce monde, qu'est-ce qu'il dirait? Eh bien, Kéla, il dirait que ce n'est pas trop mal de la part d'une louve. Mais comment? Mais non, voyons, il dirait que tu as toutes les qualités d'un grand chef et que tu mérites bien de diriger notre peuple. Tu sais très bien que ce n'est pas vrai. Si j'arrive à me montrer digne de toi, Kéla, c'est parce que vous êtes tous très, très gentils avec moi. Mais non, tu te sous-estimes. Tu es 100 fois mieux que je ne l'étais. D'ailleurs, regarde-moi, je ne suis plus qu'un vieux loup fatigué. Je me demande à combien de chasses je pourrais encore participer. Oh, tu n'as pas honte de dire ça. Je suis sûre que tu as encore plein de belles années devant toi. Les amis,
Oh, les hyènes, c'est terrible. Elles ont attaqué les buffles, ceux qu'on guettait. Comment? Tu en es bien certain? Ah ouais, avec un frère loup, on surveillait les buffles à tour de rôle. Comme on nous avait dit, les hyènes ont profité d'un moment où je m'étais assoupi. Bon, très bien. Vous allez tous vous rendre immédiatement près de la rivière, les amis. À part le groupe 1 qui restera ici, pour le cas où. C'est bien compris? Vous avez entendu? Allez, suivez-moi, vite! Mais à quelle heure? Voilà. Très bien. Il faut séparer les buffles des hyènes et les rassembler au même endroit. Je ne veux plus en voir un seul tomber sous leur croc. Laissez-la tranquille! Très bien, mon petit. Akela! C'est prêt. J'espère que ça va marcher. Alors, c'est très gentil, tu sais, mais ne t'occupe pas de moi. Tu ferais beaucoup mieux de rejoindre tes frères. Ils ont sûrement besoin de toi. C'est ça, pour désobéir à Merlouve? Ah, c'est elle qui m'a dit de rester ici. Ah oui, elle a dit ça? Mais oui, pour qu'on prenne bien soin de toi. Bon, très bien. Si ce sont des ordres, je ne discute plus. Bon, eh bien, maintenant, tu vas dormir le temps que le remède agisse. Et bientôt, tu pourras courir comme avant. Oui, oui, je vois. Je vois, son état ne s'est pas amélioré, c'est ça. Ses blessures sont très profondes. Il est vraiment très affaibli. Mais il y a plus grave. Je n'ai pas l'impression qu'il a tellement envie de guérir. Et alors, ça m'étonne un peu. Pourquoi est-ce qu'il ferait ça? Dis, Mowgli, tu penses tout de même pas qu'il pourrait? Si, justement. Je ne fais que répéter ce que dit Merlouve et il dort très mal. Et ce n'est pas tout, il refuse absolument ce qu'on lui donne à manger. Ah non, c'est pas possible. Pourquoi tu ne manges pas? Elles sont pourtant appétissantes, ces proies. Réfléchis, si tu ne manges pas, tu ne pourras jamais guérir. Et pense un peu à Mowgli, qui s'est donné tant de mal pour te préparer ses remèdes. Il faut que tu te battes contre la maladie si tu veux guérir. Oh, pas bon, de toute façon. Comme c'est ennuyeux de rester là sans pouvoir rien faire du tout. Si vous voulez mon avis, c'était à prévoir. Mais explique-toi au lieu de faire des mystères. Mais...
Oui, je vais vous dire ce que je pense. Je crois qu'Akela sent que sa fin est proche et qu'il s'est déjà fait à cette idée. Ce n'est pas vrai, tu dis n'importe quoi. Eh oui, j'ai bien peur que Bagheera ait raison, tu sais, Mowgli. Malheureusement. Mais c'est pas possible. Bagheera dit des bêtises. Akela ne peut pas savoir que sa dernière heure est arrivée. Non, c'est faux. Personne n'a le droit de décider du moment où il quittera la Terre. Et puis d'abord, pourquoi est-ce qu'Akela n'aurait pas envie de guérir? Non, je vous crois pas, vous mentez tous! C'est dur à admettre, je sais. Mais tout a une fin, même la vie. Chacun a le droit de s'y préparer. Et contre ça, tu ne peux rien, Mowgli. Mets-toi à la place d'Akela et dis-moi ce qui est préférable. Se voiler la face comme le font tes frères humains ou faire front avec dignité? Je sais que ce n'est pas drôle, Mowgli. Mais tout ce qu'on peut faire, c'est de rester près de lui jusqu'au dernier instant. Personne ne peut rien contre cela. Tout a une fin, même la vie. Non. Tout ce qu'on peut faire, c'est de rester près de lui jusqu'au dernier instant. Où est-ce qu'il peut bien aller?
tout ce qui est passé. Chacun a le droit de s'y préparer. Et tu ne peux rien contre cela, Mowgli. Cela fait partie de nos droits les plus sacrés. C'est pour ça que nous sommes libres. Oui, je comprends. C'est pour ça qu'il est venu là, pour que personne ne vienne troubler ses derniers instants. Ah ! Ne reste pas là, Mowgli. Tu ferais bien mieux de venir t'asseoir près de moi. Tu sais, je n'étais pas dupe. Je savais parfaitement que tu marchais derrière moi. En tout cas, je te remercie d'avoir chassé ces chacals pour moi. Tu vas bien? Mais oui, très bien. Même si ça paraît bizarre pour quelqu'un qui veut quitter définitivement cette jungle. Non, ce n'est pas vrai! Tu n'as pas le droit de dire des choses pareilles! On a tous besoin de toi! Tu dois rester parmi nous! Ah, je le voudrais bien, Mowgli, mais c'est malheureusement impossible. Je regrette, pas moi. On ne peut rien contre les lois de la vie. Oh! Voyons, il y a longtemps maintenant que tu vis parmi nous, Mowgli. Tu devrais savoir que tout passe ici-bas. Souviens-toi de Shere Khan, le tigre qui te faisait tant trembler, et pense à ce qu'il est devenu. Il n'en reste rien, pas même un grain de poussière. Souviens-toi du petit garçon maladroit que tu étais autrefois, et regarde ce que tu es devenu à présent. Tu es l'égal des plus grands loups. Oui, mais tout ça, c'est grâce à vous, grâce à mon père et à ma mère qui m'ont élevé comme si j'étais des vôtres. C'est grâce à toi et grâce à tous mes amis de la jungle que je suis peu à peu devenu un vrai loup. Tu ne seras jamais un vrai loup. N'oublie pas que tu es d'abord un petit homme, Mowgli. Et si tu veux un conseil, retourne chez tes frères humains, pendant qu'il y en est encore temps. C'est vrai, nous t'avons toujours traité comme si tu étais des nôtres, mais je m'aperçois que c'était une erreur. Quoi que tu en penses, ta place ne sera jamais ici. Jamais. Alors sauve-toi et retourne chez les tiens, avant que tu ne te fasses chasser de cette jungle. Crois ma vieille expérience. Sauve-toi pendant qu'il est temps. Un jour, quelqu'un en aura assez de toi. Et ce jour-là, on te chassera. Et qui est-ce qui pourrait vouloir me chasser? Voyons, réfléchis. C'est toi, ou plutôt l'autre Mowgli qui est en toi. Ce Mowgli petit d'homme qui fait que tu ne seras jamais un véritable loup. Non, Akela, t'en vas pas. Parle-moi. Tu as compris, Mowgli. Sauve-toi. Retourne vite auprès de tes frères. Tes frères humains. Je veux pas. Attends, attends, Mowgli. Tu veux bien me rendre un dernier petit service? Oui. Aide-moi à me relever, s'il te plaît. Je voudrais voir la jungle une dernière fois. Oui. Je te remercie, Mowgli. Je peux m'en aller maintenant. J'ai le cœur en paix. Je ne regrette rien. Et pourquoi devrais-je regretter quelque chose? J'ai eu une vie bien remplie, comme peu de loups en ont jamais eu.
Akela! T'en vas pas! J'ai besoin de toi, Akela! Akela!